Dans l'épisode de Koh-Lanta, le feu sacré diffusé ce mardi 6 juin, les téléspectateurs ont découvert l'épreuve tant attendue de l'orientation. Après une longue recherche, Tania s'est qualifiée pour les poteaux, pour le plus grand plaisir des internautes. Dans l'épisode de l'émission diffusée ce mardi 6 juin, les téléspectateurs ont pu découvrir la confrontation entre Quentin, éliminé la semaine dernière, et le jury final qui l'attendait de pied ferme. L'aventurier a alors tenté de nier l'évidence, mais les autres candidats sont bel et bien au courant de son alliance avec Nicolas et Frédéric qui ont longuement été les maîtres du jeu. En effet, ils ont réussi pendant de nombreux jours à mener leur stratégie à bien, mais c'était sans compter sur Julie et Tania qui ont retourné la situation lors du dernier conseil. Les deux dernières candidates de l'émission ont réussi à berner les trois autres candidats et à éliminer Quentin aux portes de la finale, ce qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. Nicolas se qualifie rapidement lors de l'orientation, Tania arrive deuxième de l'épreuve dans l'épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé ce soir, Frédéric, Nicolas, Julie et Tania participent à l'épreuve mythique de l'orientation. Ils espèrent tous se qualifier pour les poteaux, mais seuls trois d'entre eux auront ce privilège. Pendant l'épreuve, Nicolas a rapidement tiré son épingle du jeu, puisqu'il a trouvé son poignard en un temps record, ce qui a quelque peu perturbé les autres candidats. Frédéric s'est d'ailleurs senti en danger et a tendu un piège à Tania qui est malheureusement tombée dedans. Cependant, la jeune aventurière est pleine de ressources comme elle l'a montré depuis le début de l'aventure et a réussi à trouver le deuxième poignard face à Julie, qui cherchait au même endroit. De son côté, Frédéric a trouvé quelques minutes plus tard le fameux sésame. Les internautes ont explosé de joie lorsque Tania a découvert son poignard. Les internautes n'ont pas réussi à cacher leur joie sur les réseaux sociaux en voyant Tania trouver son poignard. En effet, depuis plusieurs semaines, Tania est largement plébiscitée pour son dernier coup de maître et son aventure extraordinaire. Tania qui trouve le poignard, je suis ému, Tania elle l'a fait purée, je suis si fier d'elle, Tania qui trouve un poignard et qui s'assure une place sur les poteaux. Ou encore oui suite Tania a trouvé le poignard avant Julie. Elle l'a enfin fait, pouvons-nous lire sur Twitter.